important de vous présenter celui qui arrive. Applaudissez très fort pour celui que vous-même vous avez confirmé. Moustique, le charismatique. Périmètre sécurisé. Nous allons camper ici. Camden Vondo à la garde. Oui, mon capitaine. On se repose pour 1h20. Il est blessé. Débrouillez-vous. À vos ordres, chef. Très chère Nicole, bonjour ou bonsoir, selon l'heure où tu recevras ma lettre. En tout cas, ici chez nous au front, il n'y a ni heure, ni date, juste des morts. Les enfants et toi, allez bien, j'espère, Nicole. Je sais que tu es fâchée, mais à dire vrai, je n'ai pas trouvé la force. Non, je n'ai pas trouvé la force de rentrer lors de la dernière sortie des soldats, juste parce que je ne voulais pas voir notre dernier fils. Nicole, je sais qu'il n'est pas de moi, car ça fait 1 an, 3 mois que je suis parti et à mon départ, tu n'étais pas enceinte. Tu n'étais pas enceinte, Nicole. Nicole, je me souviens très bien que je n'ai pas consommé notre mariage, parce que tu m'as dit que ton pasteur t'avait demandé de gêner et aussi le commandant avait rappelé les troupes le lendemain. Tu t'es dit, je sais que je n'aime pas cet enfant, mais détrompe-toi, Nicole. Je l'ai accepté finalement. C'est la raison pour laquelle j'ai envoyé de l'argent pour la layette et j'espère que tu l'as reçu. J'ai aussi préféré rester, c'est aussi pour ma prime, car tu sais que ton père doit se faire opérer et pour cela il nous faut beaucoup d'argent, Nicole. Ma petite femme adorée. Ici, rien ne va. Rien ne va. Là, je t'écris car je suis debout. Je monte la garde pour le camp. Demain matin, très tôt, on sera en route pour Ekondo Titi. Là-bas, Nicole, c'est le cœur du front. Avec l'ambiance qui sévit ici, la certitude de te revenir est faible. Nicole, ça ne sent pas bon. Nicole, la guerre n'est pas bonne. La réalité est autre que dans les films de Chuck Norris et Arnold Schwarzenegger. Hier soir, pendant que les soldats musulmans priaient, l'une de nos troupes a été attaquée par l'ennemi qui a brûlé et détruit tout le camp. J'ai perdu Adam Ngomna. J'ai perdu Njoya Issoufou. Et plein de leurs classes, plein de nos classes sont partis. Vendredi, j'ai tiré sur un rebelle et une fois au sol, il a commencé à se présenter. Mon Dieu, Nicole, il avait le même nom que moi, le même nom que moi. Il s'appelait Kamdem comme mon père, Vondo comme mon grand-père, Serge comme mon oncle. Nicole, chérie, on ne sait plus contre qui on se bat. Parfois, tu entends l'ennemi parler, il parle la même langue que ton frère, il parle la même langue que ton oncle, il parle la même langue que ta mère. On a l'impression de lutter contre nous. Nicole, dis aux enfants que nos différences ne doivent pas être des divergences. Demande, inscris-les l'an prochain, mets-les dans une école bilingue. Il faudrait qu'ils parlent les deux langues. Nicole, j'ai une tenue. J'ai une arme, mais j'ai l'impression que je lutte contre moi. Les rêveurs pissaient debout. Les amoureux l'arrêtaient célèbre. En route, soldats!
En route. La nation nous appelle. Manga Alain. Présent, mon capitaine. Fotso Jérémy. Mort. Herman Mbok. Il est aux toilettes. Mvondo Messanga. On le cherche encore. Ibrahim Mamadou. Mort. Njoya Njoya. Déserté. Charé Alain. Mort. Ngono Ngono. Vivant. Zibi Evina. Mort. Ndedi. Mort. Evuna Kamdem. Mort. Ngono Alain. Il est parti chier. Mohamedou Issouf. Présent, mon capitaine. Njoya Ibrahim. Présent, mon capitaine. Numfo Albert. Mort. Justin Gumfo. Mort. Je suis désolée, mon ami, je suis désolée. Comment le tribalisme a pu nous séparer? Notre bilinguisme a pu nous éloigner. Pourtant, dans les luttes pour l'indépendance, on était toujours ensemble. Pourtant, dans les moments de misère, on était toujours ensemble. Comment le tribalisme a pu nous séparer? Notre bilinguisme a pu nous éloigner. Toi et moi, on était déjà plus qu'une famille. Jolie princesse, c'était ainsi que tu appelais ma fille. Après la réunion à Fumban, je ne répondais plus à tes appels. Oh mon ami, je t'ai presque oublié, je reconnais. Pardonne-moi, mon ami. Je t'en supplie, mon ami, pardonne-moi. Aïe, aïe, aïe. J'ai oublié tous tes conseils et je le regrette sincèrement. Ma vie aujourd'hui n'est plus pareille. Tout a changé depuis ton absence. Je croyais que mes seuls amis étaient de ma famille. Pourtant, tous les Camerounais forment une seule famille. Ah, quelle ignorance! Comment le tribalisme a pu nous séparer? Notre bilinguisme a pu nous éloigner. Pourtant, dans les luttes pour l'indépendance, on était toujours ensemble. Beignets et haricots, matin et soir, on mangeait toujours ensemble. Après la réunion à Fumban, je ne répondais plus à tes appels. Oh mon ami, je t'ai presque oublié, je reconnais. Pardonne-moi, mon ami, je suis à genoux, mon ami. Pardonne-moi, aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe.